Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel du jeudi consacré au motion design. Donc nous allons voir dans ce tutoriel comment faire eh bien un aspect papier découpé à une petite animation en partant du travail sous Illustrator, en créant totalement tous les éléments de notre animation. Et puis, donc là, ça va être la partie sous Illustrator. Et puis ensuite, comment importer tout ça sous After Effects et comment agencer les différents éléments sous After Effects, leur donner une texture de papier découpé. Puis ensuite, rajouter un petit peu de lumière et d'animation afin de donner de la vie et de donner justement de l'animation à notre petite vidéo. Voilà. Alors, on commence déjà la première partie de ce tuto par eh bien par Illustrator. Donc là, vous voyez, j'ai déjà créé mes différents objets, mes différents assets qui vont nous servir pour notre vidéo finale. Donc là, vous voyez, j'ai fait des collines, j'ai fait des arbres, des nuages, j'ai refait le logo d'Itribart un peu plus, de manière un petit peu plus simplifiée, pour avoir justement cet aspect papier découpé. Alors, on va voir un petit peu. Je ne vais pas détailler hein, comment créer les différents objets. Ça, nous le voyons dans la formation Motion Design 1 de Itribart. On va juste voir comment agencer, comment réunir justement ces différents éléments au niveau de nos layers dans un premier temps. Et ensuite au niveau de nos artboards, donc c'est-à-dire de nos plans de travail, de nos tables de travail, puisqu'on va en avoir deux, vous allez voir pourquoi. Au niveau de nos layers, alors on voit que j'ai regroupé ici pour chaque plan, en fait, pour chaque plan de notre image future. Vous voyez que une animation en papier découpé va être par plan, par différents plans. Il va y en avoir 5, 6, 7, 10 peut-être. Et à chaque plan, à chaque partie de papier, si vous voulez, eh bien, il va y avoir des éléments qui vont être dedans. Donc là, le premier, alors voyez, hop, je vais enlever tout le reste. Vous voyez le premier layer ici, eh bien, c'est cet arbre. Voilà. Alors on va enlever ça, on va le mettre ici. Donc vous voyez, c'est cet arbre ici, ce sapin. Eh bien, dans ce premier layer, j'ai deux sous-layers avec ici, voilà juste le feuillage vert et puis le tronc hein, que j'ai mis donc là dans l'ordre, etc. Hein, ça c'est Illustrator. Mais en tout cas c'est le premier plan, c'est cet arbre. Ensuite le deuxième plan qui va venir juste derrière, eh bien c'est ces deux collines. Donc vous voyez que j'ai réuni hein, sous un seul et même layer. Donc à chaque fois, hein, chaque plan peut avoir plusieurs éléments. Donc là ensuite j'ai mis des arbres, ensuite des collines qui vont venir encore derrière, etc. Donc là vous voyez que à chaque fois j'ai chaque layer est un plan rajouté. Et puis ici j'ai alors là pour l'écriture Itribart, j'ai bien découpé le E et Tribart parce que justement j'ai voilà dans la petite vidéo j'ai l'intention de faire une petite animation du E hein, du logo E avec le petit micro de Itribart et en même temps d'animer aussi le reste de cette écriture. Donc je les ai bien définis en deux parties. Donc vous voyez par exemple pour le E eh bien je vais avoir plusieurs assets. Vous voyez, même celui-ci n'est pas nécessaire. Vous voyez, j'ai plusieurs éléments hein, que je peux enlever au fur et à mesure. Vous voyez, une première base grise ici. Ensuite, voilà. Vous voyez, ça vient se reconstruire petit à petit. Voilà. Et donc là, j'ai reconstruit le logo d'Itribart. Ensuite, j'ai rajouté des petits nuages et bien évidemment un ciel bleu. Voilà, donc on agence déjà ces layers pour chaque
plans, même s'il y en a beaucoup, vous voyez qu'ici j'en ai 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais il peut y en avoir plus. En général, une dizaine, entre 10 et 20 suffisent. Mais après, ça dépend de la complexité de votre composition finale. Donc voilà, j'ai mes différents éléments que j'ai agencés hein, d'une certaine manière. Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, c'est déjà pour nous donner une idée de l'image finale que l'on veut. Sachant qu'ensuite il va y avoir de l'animation, il va y avoir voilà, ce genre de choses, mais il faut déjà penser à l'agencement, hein, ce qu'on appelle le layout, la mise en place des éléments. Donc là, c'est une première mise en place sous Illustrator, pardon, qui va nous justement nous permettre de nous mâcher le travail sur After Effects. Alors ensuite, continuons de parler d'After Effects. Vous voyez que ici j'ai deux plans de travail. Vous voyez qu'ici j'ai un premier artboard que j'ai noté vidéo finale. Donc là, ici c'est donc cette fenêtre en noir, hein, juste là. Hop, voilà, je vais décaler un petit peu ça. Voilà, j'ai cette première fenêtre ici qui là va être en fait le cadre de ma caméra. Le champ de ma caméra au final, puisqu'ici vous voyez que ma vidéo finale, voilà, et je l'ai mis en preset HDTV 1080, donc en 1920 par 1080, ça va être donc sous After Effects, là, le format de ma composition finale. Donc j'ai déjà ce premier plan de travail qui justement me permet d'agencer mes éléments en fonction de ce cadre. Et j'ai une deuxième zone de travail, donc vous voyez beaucoup plus large cette fois-ci, qui vient prendre de manière beaucoup plus grande hein, toute mon image. Alors là, c'est pas juste pour m'amuser parce que je ne sais pas si quel cadre je vais prendre. Non, non, c'est bien le premier, la vidéo finale, mais ici, zone de travail large, c'est simplement pour avoir de la place pour pouvoir bouger mes éléments, pour pouvoir éventuellement les déplacer, pour pouvoir, lorsqu'il va y avoir de la profondeur hein, dans mon image, avoir par exemple celui-ci assez proche de la caméra, vous voyez cet arbre assez proche de la caméra, pour qu'il puisse sortir de la caméra et ne pas être bloqué ici juste par ce cadre. Et si cet arbre-là, je veux le mettre un petit peu plus près, en voir un petit peu plus finalement que cette image que j'ai sur Illustrator, qui ne bouge pas, qui n'est pas animée. Eh bien, j'aurai encore de la marge, j'aurai encore toute cette marge-là sous After Effects, toute cette marge d'image, si vous voulez, ici. Donc là, bien évidemment, hein, sur mon image finale, je n'aurai pas tout ça. Je ne veux pas avoir justement tout ce débordement-là, mais en tout cas, ça me laisse bien évidemment cette latitude de travail au niveau de mes éléments. Sinon, si je n'avais fait qu'un seul artboard à la limite ici de ma vidéo finale, eh bien par exemple ici mes collines seraient découpées juste à cet endroit-là. Et si j'avais envie d'en voir un petit peu plus, eh bien je ne pourrais pas puisque ceci serait découpé. Toute cette partie-là n'existerait plus. Donc là, justement, je veux avoir un peu de marge. Donc voilà pourquoi on fait deux hardboards. Et alors là, attention, l'ordre des hardboards est très important également, puisque vous voyez qu'ici j'ai mis en premier vidéo finale et en deuxième ma zone de travail large. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir lorsque nous allons importer notre image, notre fichier Illustrator sous After Effects. Dernière petite chose, en ce qui concerne les couleurs, ici j'ai mis des couleurs, on va dire, arbitraires, mais indicatives au niveau de tous mes éléments, parce que nous allons, sous After Effects, retoucher ces couleurs, essayer d'avoir sensiblement la même chose. Hein, là, on prépare vraiment notre image, mais on va pouvoir retoucher bien évidemment ces couleurs en fonction de la texture et aussi en fonction bien de la couleur que l'on veut donner, de la lumière, etc. Mais en tout cas, ça nous donne une première vision, un premier aperçu de ce que l'on veut. Donc là, on se souvient bien, les layers, on les met dans l'ordre de notre du plan
du premier plan au background, donc à l'arrière-plan, ici, et les artboards, la vidéo finale, donc le format final de l'image en premier et la zone de travail élargie en deuxième. Donc maintenant, nous enregistrons notre fichier Illustrator et nous allons l'importer. Donc vous voyez ici, je l'ai renommé layout puisque c'est en quelque sorte du layout, un premier layout, une première mise en place des éléments. Et donc nous allons importer tout cela sous After Effects. Donc, nous sommes maintenant sous After Effects. Nous allons venir importer notre fichier Illustrator. Alors, on va donc double-cliquer dans la fenêtre Projet. Ici, donc là, vous avez notre fameux fichier Illustrator Layout. Donc, on va venir l'importer. Alors attention, on ne va pas l'importer en tant que footage ou comme composition simplement, mais on va prendre composition et on va garder la taille des layers pour avoir justement ce rapport entre les deux artboards. Donc vous allez voir pourquoi. Donc on va venir importer tout ça. Voilà. Donc ça nous crée une nouvelle composition ici. Voilà, on a une nouvelle composition, vous voyez, qui est en 1920 par 1080. Donc ça, c'est le hardboard numéro 1 que l'on avait mis en première position, qui nous définit donc la définition de notre vidéo en HDTV. Ici, dans Layout Layers, eh bien, on retrouve tous nos layers d'Illustrator. Et si on importe directement si on ouvre notre nouvelle composition, eh bien, regardez, ici nous avons justement, eh bien, chaque layer de Illustrator est un nouveau layer de After Effects. Il a gardé bien évidemment l'ordre correct de nos layers. Et puis ici, si vous regardez, si je dézoome un petit peu, eh bien, regardez un petit peu ce qui s'est passé, c'est que grâce à notre artboard numéro 2, donc qui était beaucoup plus grand, qui était grosso modo deux fois plus grand, eh bien regardez par exemple cet arbre au premier plan, ici, si je le sélectionne, eh bien si j'ai envie de finalement de le déplacer, ou au niveau de ma vidéo, si je veux faire un travelling, etc., et donc en voir un petit peu plus, eh bien regardez, si je le déplace, eh bien j'en ai effectivement un peu plus. Vous voyez, j'ai même le tronc, hein, que l'on ne voit pas dans la position initiale. Donc voilà, j'ai donc bien gardé tout cela. Alors vous voyez que là, c'est effectivement coupé à ce niveau-là parce que c'est l'artboard numéro 2 qui coupait mon arbre à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous voyez que j'ai encore largement de la marge pour pouvoir justement, eh bien, réarranger un petit peu mes différents assets, mes différents layers. Donc bien évidemment, cela est fait pour tous les layers. Donc là, à vous de réfléchir à tout ça. Vous pouvez bien évidemment faire un aller-retour, des ponts entre Illustrator et After Effects, justement pour éventuellement augmenter la taille de votre artboard numéro 2 si vous avez besoin d'encore plus de matière. Voilà. Alors maintenant, on va donc importer nos textures. Donc on va faire un nouveau dossier. Donc là, que l'on va appeler texture. Voilà, on va rentrer dans ce nouveau dossier et puis on va venir importer là-dedans donc nos textures. Donc vous voyez qu'ici j'ai des textures de papier. Alors là, vous ne les voyez pas forcément bien, mais elles sont en très grande résolution. Voilà, elles sont donc en très grande résolution et je vais donc importer tout ce dossier. Ici, texture full résolution. Alors, vous pouvez prendre des résolutions moins importantes, mais en tout cas, voilà, je vais importer tout ça. Et vous voyez, je fais import folders. Donc, vous voyez, j'ai créé ce dossier, j'en avais pas besoin. Et là-dedans, dans ces textures, dans ce dossier, ben, vous voyez que j'ai toutes mes textures. Alors, par exemple, je vais ouvrir le vert. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien sur votre vidéo, mais vous voyez que ici, eh bien, j'ai du grain, hein, j'ai zoomé, vous voyez que j'ai du grain, hein, c'est du papier Canson classique scanné en haute résolution, donc qui va donner justement cet aspect de papier. Alors comment composer tout ça?
Tout simplement en venant importer donc notre bien par exemple pour eh bien pour nos nuages, pour notre ciel. Allez, on va commencer par le ciel. Je vais venir ici donc prendre la texture bleue. Je vais venir ici, vous voyez, juste en dessous de mon sky. Je le mets juste en dessous. Je vais faire apparaître la partie track mat de ma timeline. Et puis ici, je vais venir, voilà, faire alpha mat avec un alpha mat avec le ciel. Et instantanément, donc, ça vient prendre la texture du ciel et enfin, la texture en tout cas de mon papier au niveau du ciel. Vous voyez, si je me rapproche, on le voit bien. Alors par contre, si on veut, on peut bien évidemment scaler, mettre à l'échelle la taille, hein, les textures. Voilà, ce qui va donner du grain un petit peu plus fin, ce qui peut être un peu plus intéressant aussi au niveau de la vidéo, faire moins agressif. Alors au niveau des nuages par exemple, eh bien, on va prendre du blanc, bien évidemment. Donc on va venir le mettre donc juste en dessous et on va refaire encore un masquage à l'approche. Voilà, donc Alpha Matte Clouds, vous voyez qu'ici, ça m'a tout couvert en blanc, hein, puisque ça vient par-dessus le layer de ciel. Mais là, je vais faire Alpha Matte. Voilà, donc là je me retrouve avec uniquement mes petits nuages qui sont bien évidemment en texture de papier. Alors là également, je vais pouvoir mettre à l'échelle ces différentes, cette texture pour avoir éventuellement un petit raccord de taille de texture. Après ça, à vous de voir au niveau visuel ce que cela donne. Alors par contre, on va éventuellement avoir un petit souci. Alors je vais prendre par exemple sur Tribart. Eh bien ici, j'ai deux couleurs différentes. J'ai un orangé et un bleuté. Alors là, ce que je vous conseille, c'est de prendre la couleur la plus foncée. Donc là, vous voyez que ça va être un bleu. Donc là, on va reprendre le bleu du ciel. Et puis, donc on va venir le mettre ici, voilà, et puis ici, masquage à l'approche avec, voilà, comme cela. Alors par contre, bien évidemment, vous allez me dire, bah oui, ça se confond avec le ciel, donc là, effectivement, on ne voit plus rien. C'est pas que ça a disparu, c'est que ça s'est confondu avec le ciel. Donc là, par contre, nous allons faire une petite manipulation pour justement, eh bien, pouvoir retoucher les couleurs et garder tout en gardant aussi un aspect de différence de contraste et surtout de couleur initiale. Alors comment va-t-on faire cela? Eh bien regardez, on va faire réapparaître notre layer e-tribart, enfin notre layer tribart. Vous voyez, donc là, bien évidemment, vu qu'il est par-dessus, on ne voit pas la nouvelle texture. Par contre ici, dans le mode de fusion, on va venir le mettre en overlay. Voilà, donc là vous voyez qu'il vient de prendre la texture. Par contre, au niveau de la couleur, eh bien, il a fait une espèce de mix un petit peu entre les deux. Alors là, pas de souci, du coup, nous allons mettre au niveau de la voilà, color correction. On va venir chercher un petit plugin ici, une petite correction colorimétrique en tritone. Alors je vais donc l'appliquer sur le layer de ma texture cette fois-ci. Donc là vous voyez, hein, on est bien d'accord, on est sur cette texture-là. Je vais venir l'appliquer et là vous voyez que déjà, eh bien, ça vient me reprendre sensiblement les mêmes couleurs, hein, les mêmes teintes. Et puis là, eh bien, ce que je vous conseille, par contre on a toujours, vous voyez, cette texture, hein, de papier découpé. Et ici, eh bien, on va venir hop, voilà, on va venir changer alors ni les highlights ni les shadows, donc ni les hautes lumières ni les basses lumières. Ça, c'est pour garder justement le contraste de couleurs. Par contre, là, on va venir eh bien, changer un petit peu les tons moyens pour essayer de trouver eh bien, justement la bonne. Le bon contraste entre les deux, le bon équilibrage entre les deux. Donc là, vous voyez, on va venir un petit peu plus. Voilà, peut-être ici, peut-être changer un petit peu au niveau de la couleur.
avoir peut-être quelque chose d'un petit peu plus bleuté, voilà, avoir quelque chose un petit peu plus clair. Alors non, ça va pas aller. Alors peut-être que si on va peut-être un petit peu plus dans les jaunes. Dans les jaunes rouges, on va retomber, voilà. On va retomber sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant au niveau des couleurs. Voilà, je pense que là, voilà, je fais ça rapidement. Je pense que là, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Voilà, au niveau des couleurs, on retrouve sensiblement les couleurs. Alors après, rien ne vous empêche d'aller chercher un teinte, par exemple, d'aller chercher un curve pour venir justement retoucher un petit peu ces courbes de couleurs, mettre un petit peu plus d'éclairage, un petit peu plus de couleurs dans les rouges, dans les bleus, voilà, rien ne vous empêche de voir tout ça. Donc ça, par contre, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans parce que eh bien, tout ça est expliqué dans nos formations, dans notre formation Motion Design. Et puis, eh bien maintenant, donc, je vais composer tout ça et puis je vais remettre donc toutes ces textures et puis on va voir maintenant comment donner de la profondeur à notre scène et puis jouer un petit peu avec la lumière et la caméra. Alors, une fois voilà que on a tout réglé entre les différentes entre les textures et les layers, on va maintenant précomposer chaque couple pour, bah, pour un souci de facilité après, hein, pour pouvoir voilà hop pour pouvoir comment dire avoir une facilité de déplacement et si on retouche quelque chose, eh bien voilà, ce sera disons qu'on sera on sera plus à l'aise pour modifier les différents éléments. Donc là, on va précomposer tout ça en redonnant un nom bien évidemment explicite. Voilà. On ne va pas ouvrir la nouvelle composition, mais vous voyez qu'on va on va les garder en composition au sein de notre composition finale. Voilà, alors je fais tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc tout est précomposé. Maintenant, nous allons pouvoir passer tous ces layers en 3D. Donc là, on revient, voilà, ici. Donc on va tout sélectionner. Hop, j'ai dit tout. Et tout passer en 3D. Voilà. Créer bien évidemment une caméra. Voilà, de nœuds. Bon là, je ne vais pas plus loin dans l'explication de tout cela. Et puis, eh bien ici, une fois qu'on est en vue caméra, eh bien on va passer en custom view. Voilà, pour voir un petit peu mieux. Hop. Voilà ce que l'on va pouvoir faire. Et maintenant, nous allons donner donc de la profondeur à tout cela. Donc, pourquoi on a précomposé tout ça? Eh bien, regardez, maintenant, je vais prendre ma précompo du ciel et puis je vais venir la déplacer. Voilà, en Z, ici. Ensuite, mes nuages, je vais faire la même chose. Je vais les décaler un petit peu. Voilà. Je vais les mettre comme ceci. E-Tribart, voilà, je vais le mettre par contre au même endroit. Au même niveau en Z. Alors attendez, hop, j'ai pas pris le Z. Voilà, je vais venir donc le mettre comme ceci, petit peu plus devant les nuages. Donc voilà, à vous d'ajuster tout cela pour pouvoir, voilà, là, mes arbres et ma colline du fond. Je vais venir les mettre par exemple, voilà, un petit peu plus ici derrière les nuages. Pourquoi pas, hein, ça va donner un petit peu plus de relief ici aussi. Voilà, donc vous voyez que là on va déplacer un petit peu tous ces calques à la manière d'un diorama, hein, si vous voulez, dans un, voilà, pour recréer une petite scène. Et puis si je me mets donc en caméra 1. Voilà, vous voyez que alors là on a un problème d'échelle bien évidemment puisque il va falloir voilà remettre à l'échelle donc tous nos layers. Voilà par exemple ici pour le ciel, etc. Donc là pour les collines, etc.
Donc là, je ne vais pas le faire, hein. Vous avez compris le principe. Et maintenant, eh bien, on va comment voir justement cette profondeur, puisque là, on ne la voit pas énormément. Eh bien, on va rajouter tout simplement une lumière. Donc là, on va venir rajouter ici dans Layer New Light. Et puis, on va venir créer, hop, voilà, une point light, par exemple. Bien évidemment, on va mettre des ombres puisque c'est ça qui va nous intéresser, bien entendu. Voilà. Donc cette point light arrive. Alors là, je vais me mettre peut-être en demi-résolution histoire de voilà, d'accélérer un petit peu la vitesse de rafraîchissement de mon image. Et puis ici, eh bien, je vais venir en custom view. Je vais donc approcher, hop, ma lumière. Voilà, et puis peut-être après changer les propriétés de ma lumière pour... Hop. Alors ma lumière, par contre, je vais la mettre tout en haut. Voilà. Et puis ici, augmenter le radius, par exemple, de ma point light pour qu'il éclaire bien plus, de manière bien plus large. Voilà, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails hein, justement de ces lumières parce que tout est expliqué dans nos formations, mais au moins c'est pour voilà, montrer un petit peu l'effet que cela donne, augmenter peut-être un petit peu l'intensité, voilà. Très bien, le baisser un petit peu. Alors là je vais vous montrer ce que cela donne au niveau de la caméra. Voilà. Alors par contre, oui, chose que l'on a oublié aussi de faire, et eh bien tout simplement, c'est d'activer au niveau du matériel, eh bien il faut que ça, eh bien que ça forme des ombres. Donc la cast shadows, bien évidemment, il faut activer tout ça dans tous nos layers. Donc là, on va venir sélectionner le premier. Le dernier, alors peut-être pas forcément le ciel, puisque c'est le dernier. Et puis là, on va venir donc switcher sur donc cast shadow on. Voilà, et vous voyez que instantanément, ça va activer les ombres pour tous nos layers et voilà donc éclairer un petit peu toute notre scène. Donc, vous voyez que là. Si je monte ici ma lumière, eh bien les ombres vont bien évidemment suivre. Alors ça met un petit peu de temps pour rafraîchir. Voilà, donc vous voyez que les ombres maintenant sont totalement intégrées. Et donc c'est ça qui va nous donner justement notre profondeur. Donc là je vais déplacer un petit peu très légèrement ma lumière, la mettre un petit peu plus loin par exemple. Et la mettre plus bas. Voilà, ça va donc... Voilà, projeter donc des ombres sur tout ça. On peut aussi également eh bien, rajouter une lumière, une nouvelle lumière. Cette fois-ci, pas une point light, mais une ambient light, qui va nous permettre de donner une espèce de lumière ambiante pour éclairer toute la scène uniformément. Pour justement éviter d'avoir trop comment dire Eh bien que la point light ne fasse pas juste un rond de lumière. Donc là, on peut baisser un petit peu l'intensité. On va la baisser, voilà, grosso modo à peu près à 40. Je fais ça rapidement pour les besoins du tuto. Voilà, mais en tout cas, vous voyez, on va pouvoir justement eh bien jouer avec nos ombres. Voilà, venir rajouter un petit peu. Hop. Voilà, vous voyez, la point light, elle est tout en bas. Et vous voyez, ça vient projeter ici des ombres, ici sur les différents layers. Donc voilà, c'est assez. Le rendu est très intéressant. Après, bien évidemment, il faut retravailler ces ombres, hein, sans souci. Changer un petit peu peut-être, augmenter un petit peu la diffusion, augmenter un petit peu la noirceur des ombres, histoire d'avoir quelque chose de plus joli.
Voilà, de plus intéressant en termes d'affichage justement des ombres. Et puis donc après, eh bien vous pouvez vous amuser à animer tout cela. Si vous voulez éventuellement, alors là ce sera le dernier petit truc, faire un petit peu un côté ombre chinoise. Alors vous pouvez tout à fait en rapprochant ici, voyez, la lumière ici. Alors là par contre, on va enlever la lumière ambiante. Et puis, voilà, on va déplacer très légèrement peut-être la lumière ici. Voilà, pour savoir où elle est par rapport aux différents calques. Voilà, on peut venir faire ce genre de manipulation en augmentant un petit peu, voilà, le radius, par exemple. Et puis là, donc, venir regarder ce que cela donne au niveau de notre caméra. Voilà, donc là, vous voyez, on va avoir quelque chose, un côté ombre chinoise. Donc là, on va pouvoir, par exemple, le mettre ici, hein, derrière le nuage. Et puis, cela va nous donner, voilà, un côté vraiment très, très, très ombre chinoise, qui peut être aussi intéressant, hein, dans ce domaine-là. Voilà, donc un exemple terminé, hein, en partant de notre base. Voilà par exemple ce que l'on peut faire une fois que l'on a animé la lumière et eh bien, les différents assets, les différents éléments. Donc vous voyez, on voit l'ombre ici, les nuages. On va donc découper un petit peu tout ça et puis mettre ça à la sauce que l'on veut pour donner cet aspect de papier découpé. Voilà pour ce tutoriel. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel de Motion Design.